Pour la phase 4 de notre recherche, on passe sur le terrain, en route pour les visites. Et attention, coup de cœur en perspective. Que tu visites seul ou avec un pro, le crush immobilier ne prévient pas. Virginie, Miguel, petite dédicace. Il faut donc que tu te prépares à canaliser tes émotions. Surtout si le propriétaire est présent au cours de la visite. Si jamais il détecte que tu en pinces pour sa maison, il risque d'être beaucoup plus dur en égo. En plus de canaliser tes émotions, s'il te plaît, ne parle pas d'argent. Tout simplement parce qu'en essayant de rassurer un propriétaire, par maladresse, tu peux faire tout l'inverse et l'effrayer. On parlera d'argent lors d'une proposition et ça, ce sera l'étape 5. Et d'ailleurs, dans la description, je te mets un lien vers un document qui sera très utile pour la suite. Retiens qu'en tombant sous le charme d'une maison, on peut très vite oublier des points essentiels comme toiture, cuisine ou salle de bain qui sont des budgets importants lors d'une rénovation. Tu prêteras aussi attention aux diagnostics techniques de la maison qui peuvent parfois te faire redescendre très vite sur terre. Tu veux en savoir plus sur les diagnostics techniques d'une maison ? Va faire un tour ici. Et tu veux faire une proposition sur ton coup de cœur ? Tu peux aller faire un tour ici.